Hello les indigos! Comment vous allez bien? Hello, qué tal, señorita? ¿Cómo estás? Ici la grabación. Comment ça va? Coucou Idriss, coucou Razenlight. Comment vous allez bien? Oh Razenlight! Bon Idriss, tu es juste à côté de moi. Je suis aussi contente que tu sois là. Comment ça va Razenlight? Et d'ailleurs, je voulais dire. J'espère que ça va par rapport à hier, que n'y a pas certaines personnes qui t'ont un peu dérangé sur le live d'hier. Voilà. J'y ai un peu pensé et je me suis dit que j'aurais peut-être dû plus agir pour hier. Voilà. Je suis désolée, Razenlight. J'espère que ça va. J'espère que ça t'a pas trop gêné. Hello! Bien, bien, et toi? Bah, ça va. Bah, j'ai une collègue là qui a fini son contrat. Donc, je suis un peu triste. Voilà. Mais du coup, par défaut d'être triste. On va avoir peur avec la suite de Little Nightmares. En plus, les gars, je vous le dis. Ah oui, à boire direct. Allez, je bois en ta santé, Idriss. En plus, là, on attaque direct avec le moment qui me fait le plus flipper de Little Nightmares 2. J'adore. Oh, Comics Manga, coucou! Comment ça va? Comment ça va, BJ? Ah mince, la pauvre, j'espère que ça va aller mieux. Non, non, mais elle va très bien, ma collègue, mais c'est qu'elle est partie, enfin, elle a fini son contrat, quoi. Et du coup, bah, je vais plus la voir tous les jours. C'est triste quand un collègue part. Un collègue qu'on kiffe en plus. Et non, non, t'inquiète, Razenlight, mais voilà, je voulais m'en assurer. Vrai que j'étais assez d'accord avec toi sur ce que tu disais. On va pas te mentir. Et toi, alors, Comics Manga, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Ah, j'avais pas compris, pardon, je suis un peu flappy. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Mais voilà, je voulais être sûre. Flappy Bird. La ref. Bon, les amis, on commence dans 3 minutes The Little Nightmares 2. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un récap où vous vous souvenez très bien où on en était? Ouais, la ref d'ancien de ouf. Ça y est, on va sur nos 30 ans. On croit déjà qu'on est des anciens. Ça fond vite. Oh! Tu vas faire quoi de beau pendant tes vacances, Miss Manga? Oh, mais dis donc, on s'endort là sur cette chanson-là. Oh, ça m'endort. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on commence dans 2 minutes. Ça va, hein. Et tu vois, tu fais quoi pendant tes vacances, Miss Manga? Ça va de mon côté, je vais dessiner un peu pendant le live. Let's go! Tu vas dessiner quoi? Demain, c'est mon indie birthday. Bah, c'est l'anniversaire de Idriss, de l'homme de la maintenance, là, à minuit, là. Il fait beau ou pas chez vous? Ouais, bah voilà, vous avez de l'orage, vous aussi. Et ouais, ça y est, c'est l'anniversaire d'Idriss à minuit, la famille. Le live commence dans 2 minutes. Idriss, t'as déjà un anniversaire, c'est pas encore ton anniversaire, c'est trop chaud. Trop mignon. Moi, je sais pas, mes volets sont fermés, j'ai trop chaud. Ah ouais, non, mais c'est une horreur, hein, le temps qu'il fait. Hein. On est d'accord, là, c'est pas possible. Il va falloir se détendre sur la météo, s'il vous plaît. Allez, les amis, je veux au moins 3 let's go pour lancer The Little Nightmares 2. Est-ce que vous êtes chaud là? Est-ce que vous voulez qu'on se chie tous dessus? Parce que je vais clairement me chier dessus, hein, je vous le dis. Là, pour moi, c'est le pire moment de Little Nightmares. Au moins, ça va m'enlever un petit peu de tristesse et je vais plus me chier dessus en attendant. J'ai un let's go.
J'ai 2 let's go, j'ai 3 let's go, vous êtes vraiment des goats. T'envoyais dans le direct, dans les directs Insta le live? Comment ça dans les directs Insta? Hein? Là il va y avoir de l'orage, les températures vont baisser normalement. Ah ouais, encore heureux. Voir de la famille, mais sinon lire beaucoup, j'ai pile à lire, à faire descendre. Oh let's go, c'est quoi ta pile à lire? Ah bah moi ça va, pour me chier dessus, il faut y aller. Comment ça? Oui, j'ai envoyé direct dans les messages Insta. Et bon, tout le monde est en vacances, les amis. Oui, ben, ça s'est envoyé. Ouais, tout s'est envoyé. Allez, les amis, on arrête les bêtises. Voilà. Et on est sur The Little Nightmares. Hop. Ça fait moins rire l'ambiance là. Bon, il manque des gens, mais ils vont arriver dans la soirée. Et puis personne ne doit leur temps. Hein. Mais ouais, Quiz Manga, c'est quoi ta pile à lire? Ça m'intéresse. Mon coloriage anti-stress est super efficace en vrai. C'est trop bien. C'est trop bien le coloriage anti-stress. Ne jamais sous-estimer. Les gars, j'ai peur. Il va falloir me soutenir, s'il vous plaît. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai pas envie. Pourquoi je joue à ce jeu? Le son il est trop fort dans mon cas, je vais me chier dessus. Oh là là, mais j'aime tellement pas ce niveau, il est creepy. Oh là là. La creepance. Moi j'ai pas le droit. Moi j'ai pas le droit d'acheter le livre. Toc. Pas le droit d'acheter le livre. Toc. Oh, 300 livres. Et pas descendu au moins de moitié. Ah ouais, mais tu vas acheter un nouveau livre dans longtemps. Oula. Les gars, la suite elle fait trop peur. J'ai pas envie de prendre l'ascenseur. Honnêtement, j'ai pas envie de prendre l'ascenseur. Oh là là, j'ai pas envie du tout là. Oh là là. Le souterrain du Shaitan. Le truc de le faire. Oh, Force Wings! Je suis trop contente que tu commences Force Wings. Il y a un manga de télé sorcier avec un petit cas. Oh, tu verras, je suis pas fan de la télé sorcier. Oh là là, bien dans le noir là, comme on déteste. Les gars, je me chie dessus. Par contre, les carrières apothicaires, œuvre d'art. C'est un deal qu'on a fait avec une autre pote qui a une pile à lire trop conséquente. Et bah, bon courage à vous, la famille. Les gars, je me chie dessus, vraiment, je suis pas bien. Oh là là. Oh, vous entendez le bruit là? Les gars, j'ai peur de ouf. Je rigole même pas avec un cure-dent là. Oh là là, faut jouer à jeu. Les gars, honnêtement, vous pourrez faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je vous dis non. Oh là là, c'est creepy. Oh là là. Vraiment, qui oserait faire ça? Personne. Oula, je vais fermer la fenêtre parce que il y a des gamins qui crient dehors. Et vous allez croire que c'est dans la bruit. Oh oh. Je garantis qu'il y a du vent. Oh là là, je me chie dessus. Je suis pas bien. J'ai peur.
J'ai peur. I'm fucking scared now. Il y a du sang par terre. Laisse-moi! Oh putain, je vous réponds après, là, je me chie dessus. Holy mot de peur, je suis mort. Voilà, allez. Putain, elle est encore là, cette putain de main. Quoi? Non, 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 je vais pas commencer à rager. Oui, le timing de ses mains est à délire, on est d'accord. Les enfants dans ta cave vont pas manger, je crois. Oh! Mais dis plus jamais ça, c'est horrible! J'ai eu chère peur! Non, franchement, le timing des mains, il fout trop la mort. Vas-y, venez, venez. En fait, faut appuyer cher vite. Alors qu'il est lent as fuck. Don't stress, don't fucking stress. It's okay, everything is okay. Oh non. Vas-y, là, j'ai peur de rien. Vous m'avez cassé les couilles. Et ça, c'est que le début. Bah, je me suis dit one shot, mais pas du tout. Hein. Il y en a quand même un des deux qui m'a eu. Hein. J'ai trouvé ça légèrement injuste. Tenez. Bam! Une fois. Vas-y, venez, venez. Allez, dégage. C'est trop chaud. Chance que j'ai eu. Je vais péter un câble. Non, là par contre, je suis pas d'accord là. Oh, pardon pour mon cri. Pardon pour mon cri. Non, par contre, c'était vraiment de la zeub là. Là, je suis absolutely not d'accord. Oh, le seum. Hein? Voilà, tu vois quoi? Ne t'énerve pas, Lucie. Les gars, c'est trop dur à deux mains. Non. Il y a une main morte. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh putain, j'ai eu tellement peur. Ah, faut que je bois de l'eau. Je bois en ton honneur, Azenlight. Merci de me faire boire de l'eau. Par contre, question que je me pose, si dans une situation d'apocalypse, on vous propose un deal pour survivre, mais en échange, tu dois y laisser ton humanité, tu choisis quoi? Les gars, vous choisissez survie de l'apocalypse ou vous choisissez l'humanité. Moi, humanité, parce que si j'ai pas d'humanité, je préfère mourir, hein, perso. Oh mon dieu! Non, mais vas-y, y a rien qui va dans le jeu, j'ai peur là. Mais c'est creepy! Les gars, je pense qu'on va avoir une dinguerie là. Vous entendez les bruits là? Alors, je vais bien me cacher là. Ok, on va voir.
En sachant que je me demande ça en faisant un coloriage censé me détendre. Tu peux très bien être philosophe tout en te détendant. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je joue à jeu? T'écoutes. Moi, les gars, c'est lui ma plus grande peur, c'est pas la prof. Chabez-moi ça. Bon, bah voilà, c'était Little Nightmare. Oh, le stress que ça me fout. Je peux pas dégager. Oh, c'est couinement. Mais comment ça il m'a vu? Comment ça il m'a vu? Putain, ça fait trop peur. Ça fait trop peur. Oh vraiment les gars, je suis pas bien du tout. Je dirais mon père devant le spectacle des JO, alors ça me choque pas de quoi. Pourquoi ton père il ressemble à ce chirurgien complètement fou qui fait peur. Les gars, pourquoi je joue à jeu déjà? Mais d'où il m'a vu? J'ai un bug de jeu, je déconne pas. Je me chie dessus, c'est bon pour vous. En plus, j'arrive pas à comprendre. Oh, il dégoûte. Ah! Oh, si tu savais. Ma Razen Light. Il faut que j'aille où, bordel de merde? C'est une blague, faut que je prenne un jouet et que j'en ai là-bas. Oh, les gars, je me suis trop dessus. Oh la tension! Mais wesh! Oh, il m'a chopé ce chien. Ah, ça me cringe! La porte là-bas. Les gars, j'y vais à la ZEM ou pas en vrai? Le truc, c'est que vous arrivez à comprendre comme numéro ou pas? Moi, je crois que j'arrive pas. Comment il m'a rodé?
me chie dessus sa mère. Ah non, mais là, c'est la pire scène. Bah oui, viens vers moi, je te dirai rien. T'as raison. Mais t'as raison. Non. Oh putain. Mais putain. Oh là là, j'ai peur de ouf. Je me chie dessus. Non! Ok, nique ta race. Mais c'est cringe, sa mère. Vas-y, elle est où l'autre? Ok. Les gars, je me chie dessus. Vas-y, Lulu. Oh, c'est Isaline! Comment ça va, belle gosse? Il y a des hurlements et du coloriage pour essayer de pas stresser toute mon enfance. Oh non, mais c'est ça de cringe, je veux pas que ça te mette mal là. Hein. Comment ça va, Isa? C'est Isaline, non? Mais c'est toi, BG, là. Bah écoute, comme tu peux le voir, je me chie dessus. Oh! Ça cringe pas, j'ai l'habitude, bah putain. J'ai pas l'habitude, hein. Ça fait la deuxième fois, que je... troisième fois que je vois ce jeu. J'ai toujours pas l'habitude, hein. Comment ça va, Isa? Quoi de neuf, belle gosse, là? Oh là là, j'ai peur! Bon, moi, on a passé un moment, déjà, que j'aimais pas du tout, parce que le coup de ce connard... Ah, qui est parti le lit, là, mais ça me cringe! On va plutôt... si, j'ai l'impression que c'est là-bas. Oh, putain! Pff. Comment je fais là? Oh putain. Ce jeu me terrifie, me dire je vais adorer regarder des gens y jouer, mais le jeu je ne peux pas. Et bah je te jure, Isa, je disais pareil. Moi c'est la première fois que je joue entièrement toute seule. Mais franchement c'est faisable. Surtout si tu l'as déjà vu plusieurs fois, ça veut dire que tu connais quand même. Oh là là, je vais devoir aller dedans et aller de l'autre côté. Il y a quoi là-bas? Allez. Une clé à trouver. Franchement, je te jure, c'est faisable. C'est... Oh là là. Putain, j'ai peur. Allez, des cadavres. Oh là là. Je pense que je suis une personne trop pure pour ce jeu. Ok, comment je monte là? Oh là là. Mais tu l'as vu en entier, Isa? Oh, je perds de ouf. J'en ai vu des bouts. Et bah franchement, Isa, t'es arrivé vraiment au pire moment. Genre ouais, c'est vraiment le moment qui me fait le plus flipper de ouf. Ah là là, ça me cringe. Mais c'est un de mes jeux préférés. Oh là là, les yep. Mais sérieux, c'est tellement malsain. Je suis vraiment en train de faire des escaliers. Je suis vraiment en train de faire des escaliers avec des cadavres. Tout va bien. Vraiment, ce jeu est pur. Ouais, et quoi de neuf alors, Isa? Ouais, t'as fait quoi de beau cette semaine? Après je vais monter là. Petit escalier macabre. Let's go. Where's the key? Des potes, lac, pépouze. Oh, t'as laquelle lac? Je me dis en te regardant, toi et moi, dans une apocalypse, on agirait tellement pas pareil. Moi je vois des cadavres à tout, je pense à la survie avant tout. Et toi tu serais là en mode, ah un cadavre, mon dieu. Ah bah clairement, Razonlight, je serais toujours derrière toi.
Je me cacherai de ce monde. Vraiment, je serai toujours derrière toi. Voilà, je mourrai avant toi. Non, tu vois. Oh, let's go le lac. Oh là là, en plus il devait faire beau et chaud, t'as dû être bien. Putain, je me suis dessus pour la suite. Genre, j'ai mal au bide. T'inquiète, je passerai devant. Ouais, let's go! Merci Razonlight de me protéger. Et même dans ce monde-là, tu me protégerais? Parce que moi, perso, je pense que j'abandonnerai vite la vie, en fait. De fou, tu m'étonnes. Oh. J'ai peur. Surtout la suite, là, les gars, vous êtes pas prêts. Ah, mais je suis con, je pouvais monter, je suis trop con. Bah, allez. Bah, monte. Ah, bah là. Je suis con. Je suis trop con. Dans ce monde-là aussi, t'inquiète. Bon, après, j'aurais pas fait de... J'aurais pas la même taille, donc plus complexe. Ah, bah là, c'est vrai que c'est sûr que c'est compliqué, là. Putain, les gars, j'aime pas l'équinisation. Ah, les voisins, ils vont péter un câble. Je sais que je vais tellement crier, là. Oh, je l'entends arriver, ce bâtard. Ah, mais tu sais qu'ils alignent... Ah, il est là. Je t'en prie, casse tout, toi, fais du bruit. Tu sais qu'Isaline, j'ai déjà crié tellement de fois et je comprends pas comment les voisins ne sont pas même démontés à la gueule. Oh. Et pourquoi tu te laves les mains, frérot? C'est insalubre. C'est insalubre chez toi. Je vais attendre qu'ils se lavent les mains. Justement. Oui, j'avoue. Oui, mais bon, tu veux vraiment être propre, lave ton atelier, quoi. Parce que là... Mmh. Ils bouffent des cadavres, là. Non, je crois qu'ils... Oh, cette scène. Ah, vous êtes pas prêts. Oh, cette scène. Et non, il bouffe pas des cadavres. Je crois qu'il est en train de faire des prothèses. Parce qu'en fait, mine de rien, enfin, j'allais dire, il est pas si méchant que ça. Si, c'est un gros bâtard. C'est bizarre ce qu'il fait avec nous, quand même. Mais en soi, il fait son taf, je trouve, moi. Oh, je me chie dessus. L'histoire de quoi? Putain, mais j'ai peur. Bah oui, nique ta mère. Oh les gars, je suis bientôt à vous, mais là je peux pas là. Pardon, oui, pas les mamans, mais t'as grave raison. En plus, j'ai pas parlé comme ça. Ah!
Du boucher au plafond, c'est pas un boucher, c'est un. Je sais pas, un prothésiste ou un chirurgien. Ouvre la porte! Mais putain, mais c'est pas possible. Bon, bah là, je vais me faire attraper. J'arrive, hein, pour l'histoire. Vas-y Six, vas-y Six, ninja. Mais putain, bah, je vais encore me faire buter. Hein. Oh là là. CL2. Mais s'il vous plaît. Mais oui, bah cher vite là. C'est bon. En plus, c'est vraiment mais celui qui me fait le plus peur. Ta mère. Pardon, pardon. Faut pas dire ça. Là, j'ai trop peur. Attends, on a dit que c'était L2, hein. Ouais. Mais c'est une blague! Mais c'est une blague de ouf! Oh les gars, je vais rager mon âme, je vous dis tout de suite. Oh! Déjà, elle me gêne de ouf. Qu'on se le dise, elle me gêne de ouf. Bah oui! Oh non, mais là, je vais me faire écraser comme une. Oh là là! Je suis morte! Oh la Yalène, comment ça va? Oh, t'arrives au pire moment! T'arrives au pire moment. Je te raconte l'histoire après, hein. Mais là, je. Les gars, on va voir beaucoup cette scène. Allez, L2, 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 Fast and Furious. Mais putain, mais pourquoi tu veux pas glisser? Mais glisse! Pardon. Je suis en train de rager mon âme, je suis désolée. Glisser! L2! Ah, elle est trop chou quand elle a peur. Glisse, glisse, glisse. Pourquoi tu veux pas glisser? Mais non! Mais non! Mais putain! Mais oh, je suis désolée. Hein. Tu fais. Un, c'est pas compliqué. T'inquiète, Rara. Désolée, la famille. Mais vous en rendez pas compte? Je vous jure, c'est pas évident, les. Je peux courir! Allez, ciao! L2! Glisse! Mais oui! Mais putain! Mais je vais commencer à m'énerver! Tu sautes et tu t'attaches! C'est pas compliqué! Oui, pardon! Quand je dis putain, pardon! Mais je suis sauvée! Alors je vais dire purée maintenant! L'autre, elle prend ma place au KLM. Et... Mais tu veux que je fasse comment? Vous voulez que je fasse comment? Oh! Idriss, si j'y arrive pas dans. Allez, on va dire dans 5 fois, c'est toi qui fais le moment. Parce que là, je suis en train de rager mon âme. Oh, il a fait sa première glissade. Oh, le bordel qu'il met. Ah! Mais je vais m'énerver de ouf. Je vais m'énerver de ouf. Non mais vous avez vu là, c'était un truc de malade. J'ai chaud de haine. Je le déteste ce chien de merde. Où sont les touches de l'éternel merde. Oh, je vais m'énerver tellement fort. Ah oui, moi j'étais déjà là à courir. Peut-être avec ces bruits dégueulasses. Je rate mon âme. Oh là là, je suis pas allée droite déjà. Glisse! Saute! Saute! Allez, marche, marche, marche. En plus, mes doigts ils glissent, genre, c'est horrible. Ouais,
Ouais. Allez, dégage de là. Oh, c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. C'est chaud. Ça brûle. Gardez le coin. C'est bon les gars, le taf est fait. Ah, il dégoûte. Oh! Alléluia! Ah oui, elle tranquille, elle a c'était un peu cheminé le chirurgien. J'ai fait la scène qui me dégoûte le plus. Oh, je veux des let's go, je te monte en l'air. Hey, coucou Racine, comment ça va? Oh, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir, comment ça va? En vrai, le pauvre de ouf. Mais moi, je suis désolée. Il m'a fait trop peur. C'est vrai que c'est horrible, j'ai tué un gars normal. La fenêtre avec ses douches. Comment ça va, Racine? Ça fait trop plaisir de te voir, ça fait longtemps. Du coup, c'est quoi son histoire? Alors, chaque personnage n'a pas forcément son histoire en fait, mais c'est juste que c'est un. Oh, merci Triss d'avoir offert un abonnement Twitch à Isa. Merci beaucoup. Bah, du coup, Isa, t'auras plus de pub et tout, et voilà, Idriss t'a offert un abonnement pour ma chaîne. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ouais, c'est trop mignon. Mais en fait, ils ont pas forcément des histoires, les persos. Par contre, arrête de faire ta gamine malsaine, toi. Ils ont pas forcément d'histoire, mais c'est qu'en fait, bah, c'est, pour moi, c'est un prothésiste. Après, vous savez quoi, à la fin du live, il y a les histoires de chacun des persos hein, sur Bandai Namco. Donc, je vous lirai si vous voulez l'histoire du chirurgien. Mais pour moi, c'est un chirurgien prothésiste, en fait. Ouais, de toute façon, l'histoire de Little Nightmares en soi, c'est un but de point d'interrogation. Et comics manga, tu me dis pas moi le pauvre en fait. Enfin, la pauvre en fait. Hein. Moi, je peux pas attaquer par des profs, des chirurgiens, des chasseurs. Après, c'est vrai que j'aurais pu ne pas le brûler, je pense. Hein. Mais j'ai eu trop peur. On a la paix en vue de la musique. Oui, c'est clairement là-bas. Le jeu m'a dit tais-toi. Oh non! Ah, nous sommes dans l'accueil de ce magnifique hôpital. Bon, je ferme pour le chien. Désolée la famille. Allez, je me retire, mais non pas pourquoi je suis partie sans un motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Ah bah là, il s'endurcit bien. Les gars, là, on arrive au meilleur moment. Genre, j'aime tous les. Là, j'aime vraiment tout le jeu de A à Z. Enfin, déjà, je l'aimais beaucoup. Mais alors là, tout ce que vous allez voir, moi, j'adore. Je suis fan. Oh, d'ailleurs, les gens qui a vu Eluva Boss. Ah, moi, je connais pas Eluva Boss. Comment tu vas, la Yalen? Coucou! Comment ça va, belle gosse? Jamais, mais je devrais. Ouais, c'est quoi? Alors, en plus, il y a plein d'amoureux de films d'horreur, là, hein, si vous parlez de films d'horreur. Hein. La Yalen et Idriss, vous kiffez? Qui c'est qui kiffe les films d'horreur, en vrai, dans le chat, là? Perso, j'en ai fait un peu. Et c'est quoi, c'est un truc d'horreur? Les amis, vous allez voir des images. Hein? Vous avez vu? Hein? Mais what the fuck? Ah, oh, il m'a fait peur. Non, c'est une sorte de dessin animé.
Ah, c'est un dessin animé, je croyais que c'était un film d'horreur. Bon, là, vous verrez, les gars, la critique du jeu, elle est extrêmement bien faite et vraiment hyper intéressante. Ouais, ça va, la Highland? Ça va mieux? La santé et tout? Ok, une sorte de dessin animé, j'ai jamais entendu parler. On va se détendre dans ce jeu. On va se détendre dans ce jeu. Non mais putain. T'ouvres une porte, il y a un pélo, il tombe. C'est un meilleur, je te conseille. C'est un ennemi qui se base dans les enfers où on suit plein de personnages, mais surtout Blitz, chef d'entreprise, qui va sur Terre assassiner les gens que certains démons leur a demandé de tuer. Oh ok, je connais pas du tout. C'est un dessin animé en plus. Oh la famille, je connais pas du tout. Et Luva Boss, je connais pas. Non mais wesh, vous avez vu ce qu'elle vient de faire? Elle vient de mettre un coup de pied dans le mec, quoi. Je crois qu'elle est en train de partir en cacahuète, cette jeune fille. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, les panels. Enfin, les panels. Les blancs, pardon. Son histoire à la fille est super sombre. La fille, tu parles du ciré jaune? C'était quoi ça? Je regarderai, ça a l'air sympa. Ouais, bah t'as vu Little Nightmares 1? Alors tu sais, ça c'est l'avant Little Nightmares 1. Ça a l'air très enfantin résumé comme ça, mais ça aborde des sujets très durs avec un panel de persos toujours en même couleur. Ok, faudrait que je vois là. Oh mon dieu! Je dirais qu'il regarde une émission derrière la porte, genre, non? Ah bah oui, il y a clairement une télé. Oh là là, mais pourquoi je joue à ce jeu? Oui, j'avais vu une vidéo regroupant les histoires de ma mère super bien faites. Ouais, mais je pense savoir laquelle t'as regardé. Et ouais, les trucs théoriques. Son histoire à... Bah, elle s'appelle Six, hein, c'est son vrai prénom. Enfin, son vrai prénom. Oh, la musique! Les gars, pourquoi je joue à jeu? Oh mon dieu, ça me dégue. Pourquoi il y avait une belle musique d'un coup, genre? Oh la critique! Genre même sous la douche, ça mate la télé quoi. Par contre, en même temps, le tableau est beau. Enfin, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais... Ok, bon, nous sommes clairement dans une... Enfin, qu'est-ce que vous ressentez? Là, en voyant toutes ces personnes devant des télés. Ressentez quoi, la famille? C'est trash à ne pas mettre devant un jeune public. Ok, bah merci de l'info. Je connaissais pas du tout, moi, tu vois. Ouais, qu'est-ce que vous ressentez, là, dans la critique, les amis? Ah ouais, d'accord, on fait des sauts de 12 km. On est ensemble, hein. Mais genre, mais t'as plus de genoux, là. Oh! Je me rappelle de ce moment, c'est un casse-tête, mais du coup, je me rappelle plus du casse-tête. Donc là, on est enfermé. On peut aller à gauche. Ok, on peut surtout pas aller à gauche. J'ai envie de regarder, touche pas à mon poste. Non, je déconne, ça me conforte dans mon idée que la télé, c'est le cancer. Oh, tu m'as fait peur à Zenlai. Je me suis dit que quand même, on avait plein d'idées similaires sur plein de trucs, et là, ça m'aurait étonné de toi. Ah oui, non, mais faut clairement choc là, putain, je suis. Petit casse-tête, les familles. Mais clairement, ce jeu, il dénonce à quel point la télévision nous manipule.
Hein? Mais je pense que vous êtes au courant pour la plupart. Comment ça va la famille, vous? Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai la musique de la télé là. Mais attends, mais ça va me faire tomber d'en haut ça. Ah non. Ok, par contre, je n'ai pas de clé. Ok, il y a au-dessus. Bon, par contre, le premier degré, j'ai envie d'aller jouer à Genshin. Bah, va jouer à Genshin, hein. Moi, je te retiens pas, hein, choucroute. Fais ce que tu veux. Razen Light, à récupérer à boire. Je bois de l'eau. Je bois en ton honneur, Razen Light. Merci de me faire boire avec les Indie Points. Je suis trop contente de ce système parce que j'ai des problèmes aux reins. Ah, bah, tiens, la clé. J'ai des problèmes aux reins et en fait, c'est grâce à vous que je bois, quoi. C'est quoi ça? C'est un truc là-bas? Non, je pense pas. Oh, c'est une grosse vis, quoi. Dos droit. Ok. Je me tiens droit. Le dos droit est ici, les amis. Ok, je peux pas faire sans elle. Hop, elle est là. Vas-y, sous-out. Il est trop sympa ce casse-tête, je l'aime beaucoup. Hein? Genshin Impact, Razen Light. Bon, j'hésite à continuer mon livre de Dragon. En vrai, il est sympa, mais j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Est-ce que t'as acheté le dernier opus? Enfin, comment il s'appelle le dernier livre de Dragon là qui est sorti? Ouais, let's go! Et on n'est pas des goths pour rien, nous. Putain, je m'en suis rappelé du premier coup. Honnêtement, je m'en rappelais pas trop. Ça fait quelques mois. Oh, mais t'es toute récente dans Genshin. Et ça va, tu kiffes? Oh, les gars, cette scène, elle est horrible. Quelle est cette tour? Ouais, t'es pas trop fan. C'est quoi que t'aimes pas trop dans les dragons? Ah, merde, je suis... T'échelle, please, belle gosse. Hop. C'est là, par contre, c'est extrêmement chronophage. Je me dis, j'y vais 3 minutes et je reste 3. Et c'est Genshin, le jeu est pas mal, mais j'ai pas accroché. Ouais, t'es pas fan de Genshin. Après, c'est un délire, hein, les jeux en ligne, hein, la famille. Hein. C'est vraiment un délire. Ouais, la sœurette. Merci, la famille. Petite courte échelle. Vous allez voir ce qu'il y a sur le toit, la famille, ça m'a marqué. Là, Yalène, rien à voir avec la conversation, mais c'est vraiment beau les graphismes du jeu Little Nightmare. J'en étais sûre que t'allais aimer l'univers, là, Yalène. Mais j'en étais sûre, je te connais comme ma meilleure amie. Oula, oula. Non mais ce jeu est trop beau et puis les messages qu'il a.
C'est d'une puissance. Là, en fait, j'adore parce qu'on arrive vraiment dans la partie du jeu où c'est que dénonciateur, en fait. Tu vas tellement kiffer la Yalène. Ma Doris! Comment ça va, belle gosse? Kyu! Comment ça va? Tu viens pour la dernière heure du live? Je sais pas trop, je dirais que c'est peut-être trop jeunesse pour moi. Je devrais plutôt lire la fantasy pure, je pense, hein. Même si ça veut rien dire, j'adore la jeunesse, c'est peut-être justement ce que je trouve pas ouf. Moi, je pense que je devrais lire la pure fantasy, mais pas de la romantasy, hein, vraiment de la pure fantasy. Brazenlight, pour moi, c'est bien ton genre. C'est creepy, mais en même temps un peu poétique. Voilà, la Yalène, merci. Tu as dit les termes. Moi, c'est pour ça qu'il fait partie de mes jeux préférés. C'est creepy, mais c'est ouais, dénonciateur, hein, vous allez voir vraiment là dans pas longtemps du tout. Et ouais, c'est poétique en même temps, c'est bizarre, hein. C'est vrai que c'est bizarre de dire ce jeu poétique, mais c'est bon. De ouf, il est vraiment beau, on est d'accord, Isa. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'ai flippé pour rien. What the fuck là? Mais qu'est-ce qui se passe? Wesh, wesh, wesh. On va courir fort là, hein. Allez, je suis bientôt à vous les amigos. Oh my god! Oh my god, oh my god. Oh putain de... J'ai fait de la merde. Bah ça va, Mabdo, comme tu peux le voir, j'en chie. Ah non, c'était normal. Non! 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 C'est bon. Oh, ses jambes, ça va aller? Oh, je suis croûte. Parce qu'ils sont trop mimi. Putain, immortel, immortel. Clairement, tes jambes elles sont écrasées, hein, si c'est ça. Eragon, j'ai adoré avec Harry Potter, c'est mon adolescence. Oh putain, t'as une magnifique adolescence, toi. Hein. Mais j'avoue qu'il faudrait que je lise un jour Eragon. Parce que moi qui adore les dragons, je comprends pas que je l'ai pas lu. La romantisée, j'aime bien. Madao Sushi, c'est la romantisée, c'est mon livre préféré tous les temps. Oh bah, t'as lu Four Swings ou pas? C'est une dinguerie, Four Swings, hein. Oh les gars, vous n'êtes pas prêts du tout de la scène qui arrive. Je ne parle plus pendant 3 minutes si j'y arrive. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Ergonomique en anglais, c'est mieux pour avoir lu en anglais. En français, la VF fait plus enfantin. Oh shit. Ouf! Je ne parle plus. Vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? J'arrive pile poil, dis donc. Oh bah là, t'arrives vraiment au meilleur moment du jeu. Hein. Est-ce un cauchemar? Est-ce la réalité? Nous allons le savoir tout de suite. What? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh my god! Oh my god!
Oh putain. Oh my god. Je cours, je cours. Cours. Oh. 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 Oh mon dieu, ça fait peur, j'ai peur. Oh. Mais c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Et pourquoi t'es pas venu avec moi? Non! Je peux pas bouger? Non! Non! Mais c'est quoi? C'est son âme, c'est quoi? Non! 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 Attraque sous ses lèvres, je reconnais. Oh my god! Y'avait Slenderman dans la télé, MDR, mais de fou! Je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce que je dois retourner dans la télé? Oh! Mais what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, Razen Light. Ah là là. Ne change jamais avec tes blagues. Oh, on a plus la lampe torche. Oh, il nous a... Oh, j'allais faire une blague horrible. Alors, enfin... C'était pas le contexte à ce que tu viens de dire, Razen Light. Heureusement que j'ai fermé ma bouche, en vrai. C'est vrai que Slender Light... Non, t'as pas d'éteint sur moi. J'allais dire, il nous a déshabillé tellement qu'il nous a mis en PLS. Mais c'était pas pour c'était pas pour continuer ta blague. C'est juste que j'ai un talent de merde. C'est que je mets toujours le pied dans le plat sans faire exprès. Vraiment. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et par contre, les gars, on en parle de son pouvoir ou pas? Et vous savez que Slenderman, je connaissais pas la ref avant ce jeu. C'est Idriss qui m'avait dit, ah, c'est Slenderman, moi j'étais là, c'est qui? Parce que je suis la personne la plus pure de ce monde. J'adore, j'aurais pas pensé à celle-là. Mais oui, mais je voulais pas faire une blague. Vraiment. C'est pour dire que, vu ce qu'il nous a fait, j'en ai perdu ma langue. Mais son pouvoir, il est incroyable. Ah, merde. Ah, mais faut que je bouge la télé. Pour changer d'endroit. Et mince. Ça, c'est ma vie. Je fais tout le temps dans le mauvais sens. Incroyable que tu n'aies pas entendu parler de Slenderman avant. Ah non, mais les gars, je vous jure, j'avoue que c'est Idriss qui m'a fait aimer un peu les jeux vidéo et la culture de l'horreur. Après, vous ne verrez quand même jamais jouer à un jeu d'horreur pur. Hein. J'aurais toujours peur, je serais toujours une âme pure. Pur, tu se vois pas dans un monde apocalypse, ma pauvre, t'es pas assez dur. Ah, mais je l'assume, mais totalement. Il y a une apocalypse, je serai la première à mourir. Je suis nulle en survie, les gars. Alors, après, peut-être que ma meilleure pote vous dira que par contre, je suis un peu une bagarreuse. Un tout petit peu. Je suis un petit peu une bagarreuse. Mais quand c'est des trucs, what the hell. Demandez à ma meilleure pote, hein, je l'aime tellement que je suis la première à partir en cacahuète. Hein. Ah ouais, non mais... En fait, j'ai conscience que ce monde est dur. Mais après, quand c'est des choses qui viennent pas de l'humain, genre qui est horrible, bah je comprends pas. MDR, vous la connaissez pas énervée. Oh! Tu te rappelles de mon surnom ou pas, la Yélène d'avant, que tu me donnais? Les gars, je vais juste rouvrir la fenêtre. Est-ce que tu te rappelles du surnom que vous me donnez, toi et les potes, avant? Oh, j'ouvre la fenêtre, le chien, il aboie. Oh.
La bagarre. Oui, mais c'est pas bien toujours la bagarre, mais c'est juste que bon bah. Je perds vite mon sang-froid, encore plus quand c'est des gens que j'aime. Autant vous dire que je vous aime. Oh, c'est sorti du fond du cœur, c'est sorti tout seul, j'ai même pas réfléchi. Putain, ça veut dire que je vous aime vraiment. Oh bah Mono, il en est tombé à la renverse, vous voyez. Moi, le premier qui touche à mon meilleur pote, je le déglingue, je pense pas question, mais on est d'accord. L'horreur en vrai, c'est vraiment le seul genre qui provoque des émotions quasi physiques. Ah, moi je suis hyper sensible à l'amour et. Oh non les gars. Oh tout ce qui va nous arriver dans la gueule là pendant 3 quarts d'heure. Son surnom c'était gérer sa colère. Ah ouais non mais avant mais. Et il est vrai que Layalen ici présente, du coup, qui est, bah, comme vous l'avez compris depuis le temps, une de mes meilleures amies. C'est une des seules qui peut me calmer sur Terre. C'est la vérité, je mens pas. Elle m'a calmé 2, 3 fois. Puisque l'amour est inaccessible un jour. Ouais, si, il faut se faire confiance. Ah, je pense que c'est la commande qu'il faut que je prenne. Oh, c'est trop stylé, j'adore. Et genre, je peux allumer toutes les commandes là? Je peux allumer toutes les télés? Donc là il y a le voyant rouge et là il y a le voyant rouge. Il faut que j'appuie sur quoi? Non, non. Vas-y, c'est les pires touches, franchement, Little Nightmare. Bah l'amour pour moi c'est quelque chose de puissant. Enfin en fait pour moi il y a rien de plus puissant sur Terre en fait. Voilà, je vous le dis. Après avant j'étais très roman cucu. Bon après j'en lis encore de temps en temps. Mais les littératures sentimentales bien écrite et tout. Où tu sens qu'il y a de l'amour sincère et tout. Mais c'est pas évident, je trouve, moi, de bien écrire en fait. Et bah, moi, je trouve que c'est des bangers, ces romans-là aussi. Ah, c'est la poste, ok. Oh, on est dans une poche, j'adore. Moi aussi, nous aussi, on t'aime, c'est trop mignon. J'avais pas vu. C'est mon super pouvoir. Ah, le super pouvoir de Céline, c'est de me calmer et d'être un soleil. Voilà. Petite décla, ma meilleure pote. T'en as un best à conseiller? En roman d'amour romantique pur ou un peu érotique, qu'est-ce que tu recherches? N'hésitez pas à la famille, je suis libraire, je vous rappelle. Et oui, j'en ai plein. Oh là là. Moi, le roman d'amour, et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré l'autre. Mais non, c'est pas écrit, il m'a fait peur. Qui m'a fait tomber amoureuse des livres romantiques. Le titre. Mais non, ça servait à rien, pourquoi? Ouais, un bien écrit, doux et beau. Et bah, toi, moi, maintenant ou jamais, de Emily Blaine. Emily Blaine, je suis d'accord. Le titre est Cuculapraline. Mais les gars. Ce livre m'a fait mais tomber amoureuse, mais en même temps je les aimais tellement tous les deux. Toi, moi, maintenant ou jamais, d'Emily Blaine. Oh là là, vous voulez le pitch? Alors je sais que pour la plupart des gens dans la conf, vous allez me trouver cucu as fuck, hein, je vous le dis. Cucu la praline. Ah bah oui. Mais c'était sûr, Roboto Meuf Doris, tu dois être en mode berk. Moi j'adore. Ah, mais on peut passer en face à... Ok, bon bah ça va. Mais attends, mais comment je fais pour passer en face? Ah, mais je pousse de l'autre côté, mais oh là là! Pas très intelligente. Mais comment ça? Boring! Mais pas un gnangnan genre beau! Il n'est pas vraiment gnangnan, moi je trouve, tout maintenant ou jamais, la famille. Si vous voulez une histoire d'amour incroyable mais extrêmement dramatique au point que j'ai failli dégueuler, je vous mens pas, j'ai failli vomir à la fin du roman, Sarah contre Sarah. Alors là, il m'a exterminé, très beau, mais dramatique. Merci Idriss de me faire boire de l'eau. Moi j'aime l'amour avec un grand cul. Ah là là, Zandicoot. Ouais, Sarah contre Sarah, exactement écrit comme ça.
Là, ça va être l'histoire d'une femme qui, déjà, c'est marrant parce qu'elle a pas de, elle a pas de prénom. C'est à toi un peu de te faire ton prénom dans sa tête et tout machin. Bref, pour que tu t'identifies bien à elle, tu vois. Et en fait, elle est prof, elle est avec un homme, elle a des enfants et elle est en instance de divorce. Ah, mais d'accord. Bref, et on sent qu'elle va un peu refaire sa vie. Et en fait, elle va à une soirée. Et là, elle tombe sur Sarah. Mais une histoire, les gars, mais. Oh, l'histoire d'amour, elle est tellement belle. Au point que pour certaines personnes, ça va être un peu toxique. Je vais pas vous mentir, mais c'est parce que c'est deux femmes qui ont vraiment des mots, quoi. C'est une blague, je peux pas pousser, mais what the fuck. Hop, et ben on retourne de l'autre côté. Allez. Et la suite est juste hardcore. Et moi, je vous le dis, à la fin, j'ai failli en vomir de trop. De qui est STP? Pauline Delabroix Ayard. Delabroix Ayard, c'est attaché. Après, un beau livre. Moi, je les ai pas lus, ces livres-là, mais. Il y a un livre, je sais plus comment il s'appelle. Je te dirai en fin de stream où je t'enverrai. Oh, j'ai peur, pardon. Où je t'enverrai un message. J'ai une copine qui lit énormément de livres. C'est une cliente qui est devenue une copine. Et elle m'a parlé de deux romances qu'elle a adorées. Mais. Ah non, 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 non! Oh, pardon. Et je te retrouverai les titres, Isaline. Moi, c'est vrai que je lis vraiment de la romance, voilà. Mais toi, moi, maintenant, jamais, moi, il m'a happé de ouf. Oula, c'est vite très dark, tout ça. Une romance pas cucu est très intéressante, qui aborde des sujets compliqués. C'est Mo Daozushi, ou alors le grand maître de la cultivation démoniaque en français. Et bah, tu sais que j'ai une autre pote, il s'appelle Sana. C'est un de ses romans préférés. Oula! Oh mon dieu. Alors là, si j'éteins sa télé, je pense qu'il me met en l'air. Ah ouais, elle est tellement absorbée par sa télé qu'elle me voit même pas. Et je dois faire quoi? Oh les gars, elle va péter un câble. Oh, elle va tellement péter un câble. Oh, regardez le piège. The trap. Oh, elle va voir la télé dehors. Elle va péter un câble. Elle va péter un câble. Qu'est-ce que je dois faire? Pour les games, il reste l'amour de ma vie. Ah bah oui, bah ça raconte Sarah, il est lesbien, hein, les amis. Il est magnifique. Alors moi, j'en ai chialé. Mais putain, mais il faut faire quoi? C'est quoi ton livre préféré? Ouah, c'est compliqué. Je dirais quand même que mon roman préféré, c'est Bureau des Jardins et des Étangs. C'est un roman, mais oh là là. Et bah, c'est une histoire d'amour bien écrite, mais à travers le deuil. Donc, c'est pas drôle du tout. C'est pas un amour qui fait du bien. Ouais, Bureau des Jardins et des Étangs, ouais. Il m'a transporté ce livre. Ouais, Idriss te connaît bien. Ah bah oui.
Et c'est quoi mon deuxième roman préféré? Moi, il a répondu avant moi, il est trop chou. C'est son anniversaire dans 2 heures et 5 minutes. Mais là, on est d'accord que si je fais ça. Elle court plus vite que moi! Pas MDR, non mais j'abuse, j'abuse. Mon manga préféré c'est Tokyo Ghoul. Mon deuxième manga préféré c'est Naruto. Ensuite, mon roman préféré c'est Bureau de l'Overlord des Étangs. Mon deuxième préféré c'est Hanzo Posami des Films de Végan. Il m'a tué. Il m'a tué. Et mon troisième. Ben, je sais plus. Après, j'aime énormément le roman Supernova en Young Adult. Une dinguerie. C'est un Harry Potter mais avec les signes astrologiques. Quel homme je veux ou une conjointe pareille qui sache quel est mon livre préféré. Mais tu l'auras, pas Zenlai. Ah, c'est l'emote d'Idriss d'ailleurs, les amis. Je ne sais absolument pas ce que je dois faire là. Et en plus. Elle m'a rodé direct quand je lui ai éteint la télé, genre. Les gars, si quelqu'un l'a soulu, alors là. Ah, mais je suis bête! Mais je suis bête! C'est ça la soulu. Et là, coucou! Est-ce que tu me vois? Eh ben non, tu vois que la télé, ma grande. Mon dieu, je vais pas monter sur la cuisinière. Bah voilà, bah du coup c'était la télé. Et ouais, je pouvais pas, j'étais trop petite. Hop là. Voilà, on la respecte, on la laisse regarder la télé. Par contre, j'ai trop chaud. Oh là là. Je sens que quand je vais rouvrir, le chien il va aboyer. Oh là là les gars, mais vous êtes pas prêts. Vous vous rendez pas compte, là, en 33 minutes restant de live, il va y avoir tellement de choses. Oh le pauvre, je vais tellement lui faire du mal. Je m'y attendais pas à moi non plus. C'est fou, vous imaginez si vraiment on est à ce point immobilé par la télé, on soit aussi taré comme ça. Oula, la tour là, elle est chelou. Hein? Mais ils sont tous sur les toits. Ils sont tous sur les toits. Oula, il en reste plus que deux. Ça, si c'est pas une critique de la télévision, les amis. Ça fait longtemps que je regarde plus la télé. Ah, tu m'as fait trop rire. Alors on va dire qu'en fait, oui, c'est ce qu'ils font, mais c'est pas consciemment. C'est parce qu'ils sont omnibilés par la télé. Et c'est vraiment une critique, c'est pour ça que j'ai mis Little Nightmares. C'est vraiment une critique de... La télé peut rendre très bête. Et je parle de la télé, surtout TNT et tout machin. Après, je veux dire, YouTube et tout, ça peut rendre bête aussi, mais on choisit l'info qu'on regarde, vous voyez. Alors que la télé pure, non. Et je trouve ça assez fou.
qui dénonce ça en fait. Hop. Voilà. Bon, internet est pas vraiment mieux, cela dit, mais bon. Ah bah, le internet où tu choisis pas, ça c'est sûr. C'est à nous de choisir les bonnes informations qu'on veut, quoi. Ouh là là, on va surtout pas faire ça. Là, si je prends la télé, je suis dangereux. Allez, let's go la fenêtre. Ah, TMPB, le concert moderne. Mais bon. Ça va être plus difficile désormais. Putain, mais les risques qu'il prend, lui. J'aime pas cette scène. Oh là là, j'aime pas cette scène. Ah. Idriss, je te laisse voir la notif en tant que modérateur, s'il te plaît. Ok, donc c'est acceptable. Je sais pas, moi je m'en rends pas compte. D'ailleurs, dans Admitel, tu as un personnage intéressant qui est une représentation de la télé. Ah ouais, je connais pas du tout. Admitel, je connais pas. Oula, alors attendez. Ah mais vraiment... bah ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Isaline. Hein. Au tout début, cette émission... Au tout début, ça allait, c'était de la critique. Mais alors après, c'est parti trop, hein. What the hell. On dit pas trop pour pas spoiler, mais regardez, il va boss et Asminazel, c'est de meilleur. Oh les gars, je vais devoir courir mon âme. Je suis en train d'ouvrir un monstre là. Tellement flippé, ça me fait peur. Je peux pas prendre la dernière planche là. Si, je vais courir mon âme. Oh, c'était pile poil. Je redis zéro. Bah vous voyez, moi aussi, zéro. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis trop bête. Ah bah on est bien d'accord là, la famille. Hein. C'est gentil, MDR, mais vraiment, il me débecte. On est d'accord. Et puis sourire. Je suis parti fumer, j'ai raté quoi? En termes de gameplay ou en termes de discussion, la Yalen? On parle... là, il y a une grosse critique de la télévision, là. Les deux. Wow, on est dans la suite de ces habitants de cette ville mystérieuse qui est omnipilée par la télévision. Donc voilà, tu vois, je survis comme je peux. T'as vu la disparition de Six? C'est si t'as raté ça, par contre. En discussion, on parlait du vide intellectuel dans la... Oh, on parlait du vide intellectuel. J'aime beaucoup cette phrase. Dans la télé, les émissions d'Hanouna. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Alors là, moi je vous le dis. Hein. Petite musique d'AMBS. On insiste pour que vous... Et on insiste. Tu insistes toute seule, mais continue d'insister avec grand plaisir à Zen Live. Oula. Oh non, c'est... Oh non, j'aime pas ça, moi. Ma phobie de me retrouver... Oh. Parce que là, ça fait la meilleure chanson. Parce que c'est deux animaux merveilleux qui sont trop bien. Parce que là, je connais pas. La chaîne C8 a pas été renouvelée. Oui. Oui, ils sont plus là en 2000...
En 2025. Oh, ok, faut que j'écoute la chanson de Solas, moi je connais pas la famille. La meuf qui a zéro culture, c'est moi. Ok, est-ce que je peux remonter dans les ordures? Oh le pauvre. Ok, je peux clairement pas remonter. On fait comment la famille? Je l'adore, elle est trop belle, haha. Oh, je l'écouterai. Je l'écouterai tout à l'heure. D'accord, je peux pas aller là. Mais je fais comment? Je fais comment? Mais là je peux pas remonter, on fait comment? Je fais comment? Mais what the hell là? La musique Lulu c'est Just Lock My Way. Je vous jure je connais pas la famille. Je vous jure que je connais pas. Est-ce qu'il y a un truc à lancer là-bas? Ah mais je suis bête, mais je suis bête. Il est dans la lumière en plus. Là je connais pas la famille. Hein. Oh le live il est passé trop vite là, il reste 25 minutes de live, c'est une blague. Ah oui par contre il n'est pas encore enlevé. Sinon malheureusement cette chaîne aussi je peux pas. Ouais mais bientôt aussi. Des bonnes nouvelles quand même la famille. C'était là, soit non, mais je te donne le nom si tu veux l'écouter plus tard. Ah ouais, non, je vais l'écouter carrément. Ça m'intrigue parce que vous kiffez tous. Donc ça, ça fait quoi là? C'est même pas pété un pied. Augmente le micro, je suis au max. Hop, je vais me rapprocher du micro. Ah, attendez la famille, putain, vous m'entendez pas bien? Et là, vous m'entendez mieux? Est-ce que là, vous m'entendez mieux la famille? Non, mais j'ai trouvé un peu faible le son. Putain, pourtant, je suis au max. Oh sérieux, vous avez presque le même pseudonym de famille, je suis morte. Oh putain, je sais ce que je dois faire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que je dois faire. Oh my god. Les gars, c'est une dinguerie ce que je dois faire. Vous êtes prêts de l'action là? Ça, 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 ça. Oh dinguerie! Je suis radie. Pourquoi tu es radie? C'est la fois que je suis radie, je suis pas. Je sais. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. On s'en fout de ça, Mono. Choucroute. Vous êtes trop chou. J'irai voir Stolas du coup.
Bah que je suis prête, je suis ready. Ah, t'es ready, t'es ready. Ouais, mais sauf que j'ai fait de la merde, ma abdo. Donc du coup, t'as dû te faire chier, non? J'ai fait genre de la merde. Oh, par contre, je suis en Espagne ou quoi? Là, il fait chaud. Ok, c'est bon, je m'en rappelle. Oh, c'est encore plus complexe. Ça, que je fasse ça, que je prenne la télé, que j'aille en haut et que je saute au milieu du deuxième trou là, là, vite mono, c'est bon. Et je comprends pas ce que j'ai raté là, faut que j'aille dans le au niveau 1 quoi. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai crié la famille, je dois vous faire mal aux oreilles. D'ailleurs, une fois que c'était là, je vais aller là, boss. Il va être méchant, qu'est-ce que vous avez assuré. Alien, c'est un monde de ville aux Pays-Bas. Je suis morte. Essayer une dernière fois, sinon je crois qu'il y a une deuxième méthode là. J'ai fait n'importe quoi. Ok, j'ai fait n'importe de ouf, je suis désolée. J'y retourne tout de suite, bam. C'est ça, ensuite. Oh là là, j'ai pas envie de rager longtemps là. Et bien le loup qui en chie pendant qu'on discute. Tout va bien la famille. Éclatez-vous. Moi je suis là pour vous distraire. En tout cas j'espère vous kiffez le jeu. Allez let's go. En même temps se délecte de sa douleur pendant qu'on papote. Ouais c'est ça. Je suis mort. Mais c'est une blague! C'est une blague! Il faut faire quoi? Oh, si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas, la famille. Je vous explique. Je dois aller au niveau en dessous de celui-ci. Moi, du coup, je fais ça. Bon, genre, le gars n'a absolument pas mal. T'atterris quand même sur ça, tu te pètes une jambe, mais c'est pas grave. Surtout quand tu fais 1m2. Ensuite, je fais ça. T'arrives pas à monter et à sauter en même temps. Ouais, en gros, quand il atterrit, ralentit trop pour le champ du trou, ça m'énerve. Voilà, tu vois, je fais ça. Et je suis trop. Oh, il est trop mignon, c'est juste ce que. Mono, c'est mon fils. Vous voyez, je fais ça. Ah, mais oui, j'ai pas le choix en fait. Je le fais monter là. Je le fais aller dans la télé là. Et je le fais aller là. Donc il aille direct là. Mais sauf qu'à chaque fois, je n'ai pas le temps. Il veut pas y aller, il m'énerve. Est-ce que quelqu'un a la solution? Oh, mais je l'ai la solution, je suis trop bête. La solution, c'est ça, les amis. Oh la mon gueule. Faut que j'arrête avec ce terme, il est horrible. Oh la sotte. Oh, trouvez-moi un terme, tiens, pour dire que je suis sotte. Bah voilà, il était là, le truc à faire. Ah mais non. Bah non. Non. Mais si. Mais si. Oh là là. Oh, mon cerveau, il est mort, là. Il faut faire ça. Attendez, je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut faire ça. Ouais, y a de l'orage dehors, je sais pas chez vous. Non. Il faut faire ça.
Tu peux monter sur la télé, s'il te plaît? Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut lâcher. Ça va monter. Ensuite, je reste dans cette télé. Tu peux arrêter l'ascenseur au milieu? Non, on peut pas l'arrêter. Non, j'ai mis, j'ai encore rien en tout cas. Ok, vous avez pas de droit, je vous. Regardez, il faut faire ça. Oh putain, je suis perdue. Ah oui, il faut faire... Là, c'est impossible. Il faut faire ça. 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 Il faut... Oh là là, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il faut faire ça. Let's go. Je veux des let's go. Je veux des cheveux montants en l'air. Je veux des let's go. Je veux des cheveux montants en l'air. GG, GG, ouais, merci la famille. Bravo, merci. Oh les gars, j'ai mal à la tête. Ça m'a pris de fou le cerveau. Bon, clairement, c'est pas par là qu'il faut aller. Let's go, mais c'est toi, let's go, c'est vous, let's go, c'est nous, let's go. On est des codes tous ensemble. Alors par contre, me dis pas qu'en fait, c'était pas là, parce que là... Faire quoi? Il faut que je passe par là, mais ça m'étonnerait quand même. Ah, il y a une trappe. Oh, t'imagines, t'es bloqué comme une folle parce que t'avais pas vu qu'il y avait une trappe ici, quoi. Full sem. Oh, j'ai failli mourir. J'ai failli crever. Yarré! Et je fais comment? Mais je peux pas sauter de là à là. On va tenter un truc. Là, il y a pas de GG là, hein, je vous le dis. Hein. Mais je pense que c'est ça, il faut que je m'accroche à la cuvette des toilettes par contre. Ouais, c'est ça. Allez, viens. Ah oui, d'accord, elle a tout fait péter, la go. Tout va bien, tout est joie et tout est bonheur. Ok. Bon, bah, c'était simple, efficace et pas cher. C'est la maf qu'on préfère. Si t'es honnête avec les émotions que tu transmets, les gens le sentiront. Mais oui, Razen Light, vraiment, parle avec le cœur. Quand t'es artiste, voilà, c'est les gens qui parlent avec le cœur qui se font écouter. Tu vas y arriver, Razen Light. Pikachu a d'acquis clair. Ah bah là, il a fait un gros... Pikachu. Bon, j'ai clairement la voix cassée, c'est pas grave. Non, mais dans un camp, si tu ne fais rien, comment tu peux savoir, ça touchera des gens. Fais-toi surtout plaisir, Razen Light. Bah, comment tu sais si tu touches les gens? Eh bah, tu écris un peu sur Wattpad, Razen Light. Nous, on peut te lire, par exemple, sur Wattpad, si tu le souhaites. Oh purée! Oh, cette scène, vous êtes pas prêts! Et le prochain live, vous êtes encore moins prêts du coup, parce que là... Oh les gars, vous êtes pas prêts du tout! J'ai pas envie de faire ce moment! Je veux au moins 4 let's go, la famille! 4 let's go et on fait... Oh là là, je suis pas prête pour ce moment, je vous le dis. Là, j'ai trop peur. Oh mon dieu! 3 let's go pour me lancer! 3 let's go! Pour me lancer. Oh my god. Oh là là. Bon les gars, est-ce que j'y vais? Moi je dis, en plus il nous reste 11 minutes. 5 4 3 2 Oh, j'ai un let's go. Vas-y Lulu, allez, j'ai un deuxième let's go. Et vas-y, le troisième c'est moi parce que j'ai trop envie de faire ce moment. C'est parti. Oh les gars, vous n'êtes pas prêts au bordel. Hein. Personne qui a joué à Little Magmer a oublié ce moment.
Ah non, pardon, c'est pas maintenant. Oh, la meuf, elle a chauffé pour rien. Oh, je suis désolée, c'est pas maintenant, la famille. J'espère que vous m'aimez toujours. C'est pas maintenant, je pensais que c'était maintenant, mais non, je pense que c'est la prochaine scène. Oula, alors. Comment je fais pour aller là-bas? Ouais, désolée. Vous avez le droit de quitter ce live et de dire tu es nul. Voilà. Après, moi, je vous aimerai toujours. Alors. Là, je vais quand même dire, je... Ouais, c'est ça, désolé. Oh, la pire mort! Je me suis tuée toute seule sans faire exprès. Oh, mais l'accident du travail qui vaut cher, là. Oh, purée. Ouais. J'abuse, j'abuse. Oh là là, mais c'était tellement ridicule comme mort, la famille. On va essayer de refaire la même, hein. Allez. Ah, par contre, cette map, elle est abusée parce que, genre, ça va pile poil là où il faut. Oh, j'ai failli me faire du mal pour... Oh bah, comme par hasard, le chariot, il s'est mis, mais alors parfaitement. Ok, il y a une télé là-bas, on n'oublie pas. Ok, on est bien, on est bien, on est bien. On va surtout pas dans l'eau. Ah, mais là, il n'y a pas d'électricité, genre. Ok. Oh, les peluches, elles m'ont fait peur de ouf. Ah, il y a une clé. Ok. Il y a la clef sur le bureau. Ah, non, c'est pas. Ah non, je croyais que c'était une clef. Peut-être qu'il n'y a rien à voir. Ah! Et boum, dans l'eau. Les peluches aux grands yeux, ça me cringe. Ah, mais bien sûr, on est d'accord, les gars. Oh, il reste que 8 minutes de stream. Moi, j'ai encore envie de jouer, mais bon, je bosse demain. Ok, c'est pour ça. Là, on est bien. Ah, mais je vais comment à la télé? Ah! Il faut que je change ça de côté, alors. Je change ça. Il faut que je change ça de côté. Surtout quand je fais un morceau de piano, demander à Lulu. On croit en toi, Zengay. Oh là là, Laya Land, elle a mis le talent. Et Laya Land, elle m'a fait chialer. Elle a créé un... Elle a créé un morceau de piano. Incroyable. Franchement, c'était un moment magnifique. Hein. Je l'oublierai jamais, meuf. Vraiment. Mais parce qu'elle a parlé avec ses tripes. Elle a parlé avec ses tripes, elle m'a parlé, elle m'a raconté et à travers son art et c'était un moment très fort pour moi. Moi je viens de prendre mon somnifère, je suis pas couchée tout de suite. Oh bah t'inquiète, de toute façon, on a bientôt fini le live, mais j'aurais bien voulu finir sur la scène que je pensais. Oh! Sur la scène que je pensais qu'on allait être, alors qu'en fait pas du tout. Et Mono, il est cascadeur professionnel. Moi, je pense qu'il pourrait être cascadeur de Tom Cruise. Cette map, elle est tellement pénible. Si tu sais pas si t'as bien placé le chariot. Putain, c'est chaud de ouf, là, ce que j'ai fait, par contre. Oh là là, c'est tellement chaud. Pardon. Oh, pardon, pardon. Oh là là, du premier coup. Oh, je suis tellement refaite. GG, merci à vous la famille. Bah oui, là, il y a Len.
La goutte. Mais oui, les gars, GG fois 2. Ah, je suis morte. C'est vous, les gouttes. Non, je ne retourne pas là-bas. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter sur une bonne cinématique quand même. Pas celle que je pense. Oh putain! Les gars, je veux au moins 3 let's go. Sinon, je lance pas. Là, c'est trop hardcore. Là, c'est la PLS. Oh là là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Comment t'as peur? Oh là là, j'ai pas envie. Ok, j'ai. Oh bah, j'ai 3 let's go. Oh là là. Ah bah là, quand j'ai vraiment peur, vous y allez, hein. Les gars, j'ai trop peur. Vous allez à la télé, j'espère. Oh les gars, je me chie dessus. On a pété la télé! Ah! Ah! Mais pourquoi je joue à jeu? Mais pourquoi je joue à jeu? Il y a des télés devant vous! Voilà, restez devant la télé! Non! Pourquoi je joue à jeu? Pourquoi je joue à jeu? Pourquoi je joue à jeu? Oui! Mais pourquoi je joue à jeu? T'as l'orage avec toi, incroyable. Oh, ça se voit l'orage sur WAM. Oh là là, let's. Ah, attendez la suite, go! Eh, la meilleure référence. Ah, vas-y, let's go, c'est parti, les amis. Oh, moi, je suis en PLS là. Là, je suis en PLS. Nous allons les trouver, je sais qu'on peut y arriver. Bah moi j'avais pas envie qu'ils me trouvent, moi je vous le dis tout de suite. Mais quelle horreur, GG meuf. Merci. Ah non mais oui oui, quelle horreur hein. Oh là là, je transpire du fond comme Jaja. Il nous reste 3 minutes de live, les deux lives les amis. Et après on pourra se dire au revoir pendant 5 petites minutes. Oh putain, cette scène elle me... Mais c'est l'orage de dehors. Oh putain! Oh! C'est quoi ce bordel encore? Vite, viens! Non! Oh putain, il va venir me courser! Il va venir me courser! Non! Ah, je m'en vais! Oh là là, il y a une hache! Il apprend la hache, Mono! Mono! 1 2 3 Cours ton âme s'il te plaît. Bah oui bah pourquoi pas. Ah mais c'est quoi ce cauchemar? Mais c'est pour ça que ça s'appelle Little Nightmares. Pardon. Oh là là les gars. Je transpire des doigts. Je transpire des doigts. Oh putain, il est là. Mais les gars, je suis censée finir le live. Je vais pas m'arrêter. J'ai peur. Oh, il fait peur. Vous pouvez me rappeler pourquoi je joue à jeu déjà. Il peut partir. Visiblement il s'est barré. Oh on a vu le visage de Mono, incroyable.
C'est Slender moyen. J'adore. Clairement, elle est là, on est d'accord. Il fait flipper. Il fait flipper fois 1000. En plus, ça ralentit le temps, mais c'est horrible. Mais pourquoi je vois jeu? Les gars, je fais quoi? Bon, je fais au moins cette partie, non, quand même. Je fais au moins cette partie ou j'arrête maintenant? Elle dure pas si longtemps que ça, cette partie. Mais c'est juste que là, m'arrêter à là serait trop con, non? Donc je continue ou pas la fin? Ah, il fait flipper! Je peux pas, je peux pas. Mais c'est pas possible de mettre des obstacles devant un gamin qui veut juste survivre, bordel! Un feu. Oh putain! Putain! Il est trop proche là! Là il est trop proche, c'est L2, c'est L2. Ciao! Non! Je vais m'énerver. Oh putain, direct! 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 Non mais attends! Vite! Oh putain, on recommence à là. Je croyais qu'on était plus proche de la fin. Oh la musique, par contre j'adore. Psychopathe, I don't know. Oh putain, il fait flipper. Excusez-moi, j'ai des gros mots. L2. L2. Hey, ciao ciao. Ciao ciao. Slender discount. Pas le temps de niaiser. Ah bah là il y a zéro niaisage. Rip. Bon, Raymond. Les gars, je fais une dernière scène et après on arrête le live. Qui dure pas longtemps, promis la mif. Et vous allez voir la meilleure scène de The Little Nightmares 2. Oh. Y'a Six. Les gars, vous allez voir la meilleure scène de The Little Nightmares 2. Est-ce que vous êtes prêts? Cette scène, elle fait partie de mes scènes préférées du jeu vidéo. Je pense vraiment... Top 3 et je pense qu'elle est quand même pas 3ème. Radi Web, vous êtes pas prêts. Ah bah j'ai hâte après le Slender de Wish de savoir c'est quoi l'une des meilleures scènes. Vous n'êtes pas prêts. Et le prochain live sera le dernier. Et vous allez passer un live de malade jeudi la semaine prochaine. Oh la musique. Vous entendez bien la musique ou pas? Ok, je mets la musique plus fort.
C'est très dur. Et ouais. Vous n'êtes pas prêts de cette scène. Ah, c'est super dur, hein, par contre. Il est vraiment fort. Oh, cette scène. Combat d'ondes, les amis. Ah, vous n'êtes pas prêts. Ah, c'est super dur, les gars. En gros... Ouais, let's go, je veux des let's go. Oh bah, si le premier, je fais de la merde, déjà. C'est super dur, hein. En fait, il faut trouver le bon positionnement des joysticks des deux. C'est super dur. Il m'a même pas laissé le temps. Désolé la famille, c'est très très dur. En plus c'est jamais les mêmes joysticks. Je vais pas me coucher tant que je l'ai pas buté. Après, est-ce qu'on va vraiment le buter? C'est devenu quelqu'un de fou. Les amis, le live s'arrête ici. Ah bah moi je sais pas si ça a sauvegardé là. Ah, je vais juste prendre en photo ça. Et je vais rentrer dedans. Parce que c'est la fin du chapitre. C'est fini.
Pâleur extrême. Ouais, alors là, je sais plus comment je m'appelle. J'ai ma peau, elle transpire. Oh les gars, ça vous rappelle pas quelque chose? Le pouvoir du licenciement est en toi maintenant. Les gars, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ouais, t'as vu, Mabdo, c'était ouf. Ouais, Isa aussi, hein. Le zinzin. Ah, t'as eu ton idée de la fin. Ah, on garde tout pour soi. Ok, vous vous rappelez de cette porte là? On va s'arrêter là, la famille. Allez, un peu musique de fond. On se fait des bisous d'amour. Et oh. Et comment vous allez bien, la famille? Bonne nuitée. Ah ouais, direct. Merci Indy, c'était chouette. Bonne nuitée. Ouais, t'as kiffé alors? Est-ce que vous avez kiffé? Il est passé trop vite le live parce que j'étais en très bonne compagnie. Merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai trop kiffé. Et c'est passé trop vite. Je me suis éclatée. Oh là là. Alors, par contre, le micro, il est fort là, non? Ça va aller? Oh meuf, demain, oublie pas, petit message à Lélé. Attends, parce que moi, je connais pas l'anniversaire de Léa, c'est demain? Parce qu'elle est née. Mais oui, elle est née le même jour qu'Idriss, let's go, c'est vrai! C'était grave cool, oui, c'était cool. Ah. Oui, j'ai kiffé. Oh, vous êtes trop chou. Tranquillement. Toujours là pour toi depuis le début, c'est vrai. Vraiment, merci beaucoup de me suivre comme vous le faites. Ah, mais non, elle part au Canada, je suis bête. Même que je m'étais fait le. Mais je suis bête. Désolée, quand je suis en live, je suis plus dans le monde réel. Ah ouais, oh là là, c'est demain. Ah, c'est passé tellement vite. Elle va nous manquer là, Léa. Hein. Mais oui, c'est vrai que je m'étais dit que Lélé, elle partait au Canada en même temps que l'anniversaire d'Idriss. D'ailleurs, l'anniversaire d'Idriss, c'est dans 1h17 minutes. Idriss, l'homme de la maintenance. Bien drôle de te voir flipper, Rara. Oh non, mais j'ai gueulé comme jamais. Ça va vos oreilles? Est-ce que ça va vos oreilles? On a bien papoté. Oui, moi vraiment. Voilà, je vous aime trop parce que. C'est que de la bienveillance, vous discutez, vous prenez soin des autres et tout, et j'adore. Et franchement, voilà, là, ce genre de live, j'en veux tout le temps. Vous êtes trop les gouttes. Vraiment, merci beaucoup. Et je suis contente si vous vous êtes amusés, la famille. Moi, c'est tout ce qui compte. T'as pas tant crié, hein. Ouais, enfin, vraiment. Alors, d'ailleurs, dans Little Nightmares, le monsieur vous appelez Slenderman, c'est, on l'appelle l'homme filiforme. C'est l'homme filiforme dans Little Nightmares. Voilà. Et dommage, Island, que tu n'es pas là la semaine prochaine. Je sais pas si vous autres, vous serez là jeudi de la semaine prochaine. Le final de Little Nightmares 2, c'est ce qui m'a fait écrire le scénario du monde dessiné. Hein. C'était hardcore. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Et au pire, là, Island, tu regarderas la rediff sur YouTube. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts de la fin. Dis-leur, Idriss, est-ce qu'ils sont prêts? Franchement, est-ce qu'ils sont prêts pour la fin de The Little Nightmares 2? Oh, bonne année d'avance, Idriss le Goat. Oui. Ouais. Et tu restes même pas jusqu'à minuit pour lui, quelle honte. Ah oh, bah justement, c'est aussi parce que j'ai envie d'être avec lui jusqu'à minuit. Ah si si. Là, je vais me laver, on va se poser tranquille et joyeux anniversaire. Mais bon, c'est pas encore minuit. Si j'arrive à coucher Manisto, peut-être que je pourrais rejoindre la fin du live. Tu la couches en général vers quelle heure, ta ney? Ouais, ta nièce, tu la couches en général vers quelle heure? Parce que là, je pense qu'il reste. Ah ouais, d'ailleurs, attendez, le dernier live de Little Nightmare, on va le finir tôt. Hein. Je pense qu'on va faire une petite discussion jusqu'à genre de 20h30 à 20h.
21h15, genre trois quarts d'heure pour le fun. Et à 21h15, on fera le final. Parce que là, je crois que de souvenir, il reste même pas 1 heure. Hein. C'est ça, hein, je crois qu'il reste même pas 1 heure. Ouais. Désolé, Bibou, je dois y aller. Mais j'essaierai d'être là jeudi pro. Merci pour ce soir, gros poteau. Merci à toi, Isa, vraiment. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. C'était trop, trop cool. Et bienvenue, du coup, j'espère que tu viendras souvent parce qu'en plus, t'es trop cool et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Ouh, ça va être chaud ce soir, gros gros. Ah, mais là, il fait hyper chaud, la famille. C'est 21h30 normalement, mais vu qu'elle a des angoisses, parfois c'est plus long. Ah, ouf. Bisous d'amour, Isa, merci. Ok, bah, ça, ouais. Ouais, ça peut. Ok. Bah, tu viendras quand tu pourras. Hein. Après, je sais pas. Je sais pas si à 22h on aura fini. En fait, je vais me renseigner. En regardant vite fait un let's play, parce que de toute façon j'ai déjà fait le jeu et voir où est-ce que ça peut aller en termes d'horaire, comme ça tu nous rejoins. Ça ce serait bien, ouais. En fait, il faudrait que je finisse vraiment le jeu à 22h30, quoi, donc je vais essayer de faire des calculs. Mais il faut que je réussisse aussi. Tu es bien trop pur pour ce monde. Bon, pourquoi je suis trop pur pour ce monde? Mais c'est vrai, je suis pur pour ce monde. Pas parce que voilà, je dois gérer ma colère des fois. Que oui, ça c'est vrai que je suis pure. Sinon, je regarderai la rediff, t'inquiète. Oh, j'aurais trop kiffé, moi, que tu sois là en live. Je vais faire en sorte de le finir genre à 21h25. Je vais faire un calcul comme ça. Comme ça, si je prends du retard, bon, au pire, c'est pas hyper grave. T'as pas compris à quoi je faisais allusion? Oh non, parce que je parle tellement que j'ai oublié ce que j'ai dit. Mais au fait que je ne supporterai pas l'apocalypse, ça c'est sûr. Bon allez, les indigotes, je vais aller me laver. Je dis pas, c'est pas contre toi, mais c'est juste qu'en live et tout, je dis pas dans quelle librairie je travaille. Parce que je me méfie des gens sur internet. Voilà. C'est pas de toi, Razen Light, hein, c'est vraiment. C'est vraiment internet, quoi. Ah ouais, je préfère me protéger. Bon allez la famille, là j'ai trop envie d'aller me laver, de mettre yimbe. Je vais profiter d'Idriss. Voilà. Parce que c'est quand même bientôt son anniversaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous d'amour. Vraiment, merci pour ce soir. C'était trop, trop, trop cool. Vous êtes trop des goats. Merci pour tout. Gros bisous du coup à Isa28, à Lyaland, à Razenlight, à Idriss, à Comics Manga, à Blue Sky Nard. Et voilà, je vous fais des gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Si j'oubliais des gens, il faut pas m'en vouloir. C'est juste que je vois pas tout le monde. Voilà. Allez, gros bisous d'amour. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Gros bisous. On se voit lundi pour. C'est lundi. Oui, on se voit lundi pour Actu Indigo, les nouveautés du mois d'août avec Idriss. Et pour parler de la Gamescom, qui est un des grands festivals du jeu vidéo, voilà, qui aura lieu cet été. On se voit mardi pour le dernier live, vraiment promis, de Beyond Good and Evil, avec l'homme de la maintenant, c'est l'homme aux goodies. Et on se voit jeudi pour le final de Little Nightmares. Il n'y a que des finales la semaine prochaine, ça va être trop trop bien. Allez, bisous d'amour, prenez soin de vous. Bisous sur vos fesses droites, comme dit la Yalend. Bisous à tous, bisous, bisous. C'était Indy, et je vous dis à bientôt. À pouette.